Et re-bienvenue everybody, c'est Abdoul de retour sur sa chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Alors pour aujourd'hui, je vous présente l'épisode numéro 3 de notre série Phase 9 mode Ultimate Team saison solo. Donc aujourd'hui, on joue tous les matchs, je vous présente tous les matchs de Division 8 qui nous ont permis de passer en Division 7. Donc voilà, aujourd'hui on va jouer les Division 8, la saison Division 8 au KLM. Ça va être facile, donc voilà. Deux choses que je pêche à la vidéo, regardez la description, toutes les machines YouTube, mes pages Facebook, ainsi que mes comptes personnels YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et Skype sont dans la description, donc je vous invite tous à me suivre. Également, vous trouverez en haut à droite une carte contenant les trois limites, trois autres chaînes YouTube actives, donc Abdel Gaming, Abdel FIFA Dash et Abdel Afutsocle. Donc je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager, bref, faites tout ce que vous pouvez pour m'encourager, c'est très apprécié. Il y a aussi la lecture complète de la série FIFA 19 mode Ultimate Team et FIFA 19 mode Ultimate Team saison solo. Donc au cas où vous avez loupé des épisodes, jetez un petit coup d'œil dans liste de lecture. Également, abonnez-vous à mes autres chaînes, likez mes vidéos, commentez, partagez, bref, faites ce que vous pouvez pour m'encourager sur mes chaînes, mes pages Facebook, c'est très apprécié. Donc voilà, maintenant c'est dit, on revient à la vidéo, et c'est quoi ça? UEFA Ligue des Champions vers la finale. Attendez juste le son, nous avons ajouté le temps nécessaire pour distribuer les récompenses de matin gagnées lors de la Ligue Weekend. Ok, si ça va être nécessaire d'ajuster ces délais pour... ok, en passant, c'est très important de suivre EA Sports, FIFA sur Twitter. C'est vraiment là-dessus qu'il y a toutes les infos. Et donc voilà. Sans plus tarder, allons choisir la saison auquel on va intégrer. Celui qui rapporte le plus. Oh, 2400. Plus un pack grand. Tout pour gagner le titre, il faut 16 points. Donc 5 au total, 6 victoires. C'est ça. On va prendre lui, vu que c'est le plus payant. Et c'est pas dur, hein. Pro champion avec des équipes de merde. C'est au KLM. Donc on choisit cette ligue. Let's go, c'est parti. Donc maintenant, ce sera pas ça le partant. En passant, comme vous savez, dernière vidéo, je voulais acheter Rodrigo. Avec 90 vitesse, 82 drive, 81 tir. Au niveau des mauvais pieds, pas tant, geste technique, 4 étoiles, c'est pas super, il peut faire des roulettes, donc ça va. C'est ça, donc, dans le fond, à chaque vidéo de saison, je me donne un objectif, dans le fond, de joueur à acheter. Aujourd'hui, pour cette vidéo, ce sera Carvajal, à la place de lui, parce qu'il est vraiment merdique, ce gars-là, là. Il a mauvais pied, mais il est merdique, il est lent, il sait pas dribbler, il sait rien faire. Il a aucun stats en haut de 80. Comme vous voyez là, à part puissance tir là, il n'y a aucun stats en haut de 80. C'est dégueulasse. Je veux me débarrasser de ça, c'est dégueulasse. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je veux m'acheter Carvajal. Maintenant, Carvajal dans le fond d'ici la fin de l'épisode. Maintenant, on va changer le gardien, parce que Loris, je l'ai pour 5 mal, donc je ne veux pas le gaspiller. Le bench reste pareil. Non, le bench reste pas pareil, j'ai changé ça tantôt. Je vais juste mettre le ailier là, you. Le voilà. Oh, j'en ai un autre ici quand même. Mais ses stats sont meilleurs, donc on va mettre lui. Ça drop le chemistry, je le sais, mais je m'en fous là. Rendu là, on n'a pas besoin de chemistry. Et puis ici, on va mettre dans le fond la carte Champions League là, à Marega. Il est où? Il doit être au fond, dans les untradeable. Sacrement, come on. C'est bon. Here we go. Et voilà, donc c'est ça. Ce sera ça l'équipe partante cette saison. Ce sera ça pour chaque match. Pour les changements maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Chaque début de match, je rentre Marega à la place d'Alex Hunter. Et puis, change la formation à 4-1-2-1-2. Parce que c'est ma formation préférée. Puis 4-4-2, dans le fond, c'est ce qui me donne le plus de chemistry. C'est pour ça que je choisis ça. Donc, here we go, c'est ça. Nous sommes donc prêts. Allons jouer notre premier match contre IFK Göteborg. Une équipe 1 étoile en passant. L'échange, ça va, ça passe, c'est bon. Ok, allez, donc sur ce, guys, sans plus attendre, allons jouer notre premier match. On se retrouve dans 2 secondes.
Alright everybody, donc voici le premier match de cette saison. On affronte donc le IFK Göteborg, comme vous avez vu tantôt, à l'extérieur, donc au Stadion Neder. Alright, donc il faut objectif de cette série, c'est gagner Division 1, évidemment. Et donc notre objectif, ce serait de gagner, de se rendre en Division 1 et de la gagner au moins une fois. Donc, comme je vous ai dit, les changements. Et le dispositif. Dans le fond, vous dites 4-1-2-1-2, mais ça va être qui ton milieu défensif? Je fais jouer David Silva, défensif, tout simplement. Parce que c'est le mieux que je puisse faire. Et aussi, ça, si je switch comme ça. Oh, j'aurais dû mettre un peu de forme, hein. On voit De Bruyne, David Silva sont pas très en forme. Bon. Anyway, c'est pro, donc ça serait pas un gros problème. Allez, guys, let's go. C'est parti. Voilà. Allez, il peut y aller tout seul. Voilà. Oh, c'est bon, fini. Here we go, KLM. Premier match, premier but. Premier match, premier but. Ça va pas bien pour Rodrigo. Yes sir, donc regardez ce replay. Ouf, il a défoncé. Bien joué. C'est sûr qu'au niveau des dribbles, ça a amélioré, mais il y a la vitesse, donc ça me dérange pas. Allez, on lâche pas. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Wow. Wow. Oh wow. Oh wow. Wow. Oh, c'est trop beau. C'était trop beau. C'était tout simplement trop beau. Oh my god, c'est quoi ce but? En tout cas, on a marqué, c'est ça l'important. Oh wow. Alright, bien joué. Donc, on mène 2-0 à la mi-temps, c'est bon. Malgré que mes joueurs ont plus de jeu, c'est bon, c'est très bon. Pas déçu. Voilà, allez, let's go, parti. Deuxième mi-temps, c'est parti. Bien joué. Non, c'est sûr. Ça aurait pu faire un but de plus, mais le canon est raté. Yo, come on. Niaise-moi. Niaise-moi. Oh, wow. Ce serait pas le premier coup franc qu'il marque à cette distance. À terre. Non. De Bruyne. Ouais, je pense qu'on va changer de tireur dans cette équipe. Un très très mal tiré, ça. On a l'impression qu'il a changé d'avis au dernier moment. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce que je vous dis, c'est fini. On a gagné 2-0. Puis c'est ça là. Avec 662 crédits à banque, Castille. Bon ben guys, on se retrouve dans quelques instants pour le deuxième match. Alright les amis, voici le deuxième match de notre saison en Division 8. Donc on joue à domicile cette fois-ci contre El Fateh. C'est sûrement une équipe d'Arabie Saoudite, donc voilà. Alright, donc un autre match facile en principe. Allez, je fais le changement avant tout. Coup d'envoi à cette heure, allez let's go, c'est parti. Il percute, il est aussi à l'aise du droit que du gauche. J'aime beaucoup ce joueur. Vas-y, bien joué. Premier but. Let's go. Déjà un but. Oh, le premier but dans cette rencontre. Déjà un but. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. Let's go. C'était facile. À 30e minute, changement. But. Je veux dire, pas d'appel. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est un but, ça. Ça, c'est un but. Oh, what the fuck. C'est quoi ce gardien? C'est quoi ce gardien? Oh, c'est quoi ce gardien? C'est quoi ce gardien? Check ça. On a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé. Oh wow. Oh wow. Bien joué. Oh my god. Rien faire à cette distance. Half time. It's half time. Donc, reste une mi-temps, guys. Je vous annonce. On mène 2-0. Ça va bien. Allez guys, on lâche pas. C'est pas fini, let's go. Ça va être contré. Oh! Non! C'est pas fini!
en position idéale pour centrer. Kevin De Bruyne. Oh, on m'a dit des... Oh, fuck. Après ce tacle bien ah, que... Au moins ça nous revient, donc tranquille. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Corner encore. Le gardien était sorti en plus. Partenaire dans la surface. Le ballon qui s'est bon, rendu-le. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit. Encore un corner. Allez, il trouve la surface. Tabarnak, que des corners. On va finir par marquer. Oh non, sauvé sur la ligne. Wow. On va finir par marquer. Là, je dis qu'on marque. Come on. Il la joue un petit peu comme on rend en photo. Voilà, bitch. Let's go. Le gardien, à mon avis, même lui, est impressionné hein, par cette frappe en lucarne. Il est éteint. Après 40 corners qu'on n'a pas réussi à marquer, on a finalement marqué un troisième but. Un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore son avance. On voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre. Il est éteint. Let's go. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, Hervé, c'est qu'elle a surtout mis l'accent sur le collectif. En passant, c'est clair que tout est tourné vers le collectif. Bien joué. David Silva. Enfin, halftime. Halftime, je veux dire, fin du match. Donc, victoire 3-0. À date, on n'a pas encaissé un seul but. Ce qui est déjà bon. En passant, d'ici la fin de cette série-là, donc la série que... Oh, nouveau trophée From Rags to Riches. Je vous la poste sur la page Facebook soon. En passant, vous savez que j'ai packé De Bruyne et David Silva. D'ici la fin de cette série, je vais les vendre sur le marché des transferts, donc pour me faire un max de crédit et donc de améliorer mon équipe. Donc voilà. Voilà guys, dans le fond, pour me faire une meilleure équipe pour Division Rivals et Foot Champions, clash d'équipe également, donc voilà. Donc voilà guys, on se retrouve pour le troisième match quoi. On joue contre Dundalk. Dundalk en pro, une équipe 1 étoile et demie, donc voilà. On se retrouve dans quelques instants. Alright les amis, voici le troisième match de notre saison Division 8. Donc on joue à l'extérieur, comme vous voyez, contre le Dundalk. Bon, ça c'est la même chose à chaque fois. Donc on souhaite bonne chance. Énormément et jamais touché le ballon. Oh oui. Et voilà, on finit. Au KLM. Ok. Oh, célébration à Matt Dybala. Ça va bien, donc les changements se font en plus, donc voilà. Allez, let's go guys, on lâche pas. Let's go. Et second goal. C'est trop facile. C'est trop facile. On va s'amuser, man. On va s'amuser, man. Il fallait que ça frappe dessus. Bien. Here we go. C'est trop facile. Bah, clairement, ce match tourne à leur avantage. C'est trop facile. Un genre de défenseur qui stabilise une défense. Oh oui, bien joué. Et let's go. Au KLM. 4-0, puis ça fait même pas 30 minutes qu'on joue. Oh, ça te fait mal au dos, ça. Ça te fait mal au dos. Et part à courir. Here we go, t'es plus vite que... La bonne passe dans l'espace. Here we go. Le gardien qui est battu. Yo, la mi-temps n'a même pas fini. La mi-temps n'a même pas fini, on mène 5-0. Oh, c'est bon. Let's go, KLM. Ça doit faire son quatrième but, lui. Ah, triplé. Triplé pour ma Rodrigo aujourd'hui. Triplé. Ça, la mi-temps n'est pas fini. Bien, vite. Je comprends pas. Here we go. Fais un petit lob. Wow. Oh, c'est la honte. Oh, c'est trop drôle. Oh, c'est trop drôle. Wow. Here we go, la mi-temps achève guys, donc c'est sûr que c'est un peu emmerdant pour vous parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense, mais
steals. Dès qu'on récupère, dans le fond, on marque. T'es plus vite. T'es plus vite. Here we go. Oh! Oh non! Oh, c'était juste à côté. Quel dommage. Oh my god. C'était... Ça a frôlé le poteau, limite. Oh putain. Yo. Bon, c'est la même temps, anyway. Tranquille au KLM. Allez, vous voyez pourquoi je vais pas utiliser mes joueurs de prêt, parce que ça sert à rien. Ouais, y a pas une... Rodrigo. Bien fait. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Oh wow. Oh, penalty. Kevin Foto, penalty. Oui, c'est un penalty. Oh, penalty. LOL. Ouais, je le sais, tranquille. J'ai envie de m'amuser un peu. Ah, en tout cas, vas-y, on va faire tirer Claudio Bravo. Oh, il a raté. Oh non. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh oui. Attention à cette bonne passe en profondeur. Let's go. Ça fait 5 buts pour lui. 5 buts. C'est trop facile, man. Genre. C'est trop facile. Tourne à leur avantage. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer. Ouais, très bonne passe là. C'était chaud ça. Oui, c'est et finition, let's go. Ah, oui, cette fois, c'est fait. Ah, ils n'avaient plus qu'à conclure. C'était vraiment à bout portant. Ah, ils vont danser. Célébration classique. Est-ce qu'on n'a pas de respect? Je sais pas comment faire la célébration et respect, puisque sinon je la ferais. Mais bon. Minutes de temps additionnel au minimum. Let's go. Non, il y a hors-jeu. Puis poteau en plus. Oh non. Bon, ben c'est fini. Il y en a... Here we go. Fin du match, guys. Foot Abdoul FC 9. Je me souviens plus de l'autre équipe du nom. Le nom de l'autre équipe 0. Donc voilà. Sale victoire. Rodrigo a un petit match avec 5 buts en fait. Checker. Possession. Oh, c'est assez pareil, mais les tirs 20 et 7. En tout cas, c'est bien. Donc let's go. Allons jouer le prochain match maintenant. Alright les amis, voici le quatrième match de notre saison en division 8. Donc pour se qualifier pour la division 7, ça avance bien. 3 matchs, 3 victoires. On joue à domicile contre Gornik Zabrze, quelque chose là. C'est toutes des équipes que je connais pas. On joue à domicile, donc au stade Santiago Bernabéu. Nous sommes prêts, tout le monde est prêt. En fait, on n'est pas encore prêt parce qu'il faut faire les changements. Il n'y a pas d'appel pour l'instant, c'est serré. Donne-lui et fini. Au KLM. Au KLM, ça part bien. Et les changements se font en plus, donc c'est parfait. Allez guys, on lâche pas. Il la joue un petit peu comme on rentre, on fait tourner en attendant l'ouverture. Oh oui. Oh non. Oh, c'était bien fait par contre. Half time. Déjà halftime, ça a passé vite, je trouve. On mène juste 1-0, hein. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est pas fini. Hein. Il y a la deuxième mi-temps pour se racheter. Allez, let's go. On lâche pas. Plus sous-estimer l'adversaire. Oh, ok, c'est bon. Ok. Ok. Quoi? Quoi? Touche dans le camp adverse. Oh, quoi? Allez, il est passé face à son défenseur. Oh, t'as. Choisis la frappe. Tabarouette, c'est quoi ça? Complètement manqué ça. Cette distance en donnée. Attention. Oh, une chance qu'il n'a pas marqué ça. Une chance qu'il n'a pas marqué ça. Maudit que j'ai peur. S'il fallait qu'il marque ça là. C'est bon, KLM. Donc l'homme dimanche. Oh, c'est Salvio. Oh, ok. Qui joue à 1 de chemistry. Donc voilà, il nous reste dans le fond 2 victoires ou une victoire et un match nul. Et en principe, on se qualifie pour la division 7. Donc voilà guys, on se retrouve dans quelques instants. Alright les amis, voici le cinquième match de notre saison en division 8. Donc victoire objectif 1 contre le Lille Strom SK. On joue à l'extérieur, quand même un stade assez beau.
Et donc voilà guys, nous sommes pas prêts parce qu'il faut faire les changements. Oui. Oh oui. T'es plus rapide que tout le monde et t'es... Oh tabarnak, j'ai les potes. Oh fuck you. Oh fuck you man. C'est quoi ça? Je pense que c'est fini. En tout cas, il va bientôt siffler. Here we go, yes, siffler. Pas de but. Pour l'instant. Le match est assez chaud. Hein. Va falloir être plus productif en deuxième mi-temps. Allez, let's go, on peut y aller. On peut y arriver, let's go. Dembélé, here we go. Ousmane Dembélé, oui, il va centrer. Here we go. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Une position de hors-jeu avant le but. Il y a hors-jeu. Ça part bien, action dangereuse. Holy Jesus, holy Jesus, holy Jesus. Et le but. Un but fâcheux, bien sûr, qui est pris. Oh, fuck. Un but fâcheux, comme tu y vas. Et ça fait donc 1-0. Non, come on. Oh, Rodrigue, non, come on, faut marquer ça. Allez, pourquoi pas. Faut marquer ça. Non. Non! Reste 20 minutes! Allez, il trouve la surface de Bruyne. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Essaye, j'en ai rien. Oh! Il est... Oh! Oh! Quelle frappe! Wow! Au moment où l'on parle, la montée est assurée. Quelle frappe! Oh my god! Quelle frappe! Holy shit! Holy shit! Quelle frappe, lucarne. Oh my god. Oh my god, là on est dans le match là. Let's go guys, let's go. Et lance-toi sur le côté, t'as l'espace. Oh, yo what the... Non, c'est... Qu'est-ce que j'ai avec les poteaux? C'est quoi que j'ai avec les poteaux? Oh, peut-être. Oh my god. Oh fuck you! Bon, c'est match. Le nul, c'est l'important, mais oh my god, le but de Dembélé. Je suis en admiration. Le but de Dembélé, man. Oh my god, c'est l'homme du match en plus. Fait que voilà, on a 13 points, donc il faut gagner le prochain match pour se qualifier. Donc voilà, guys. Va-t-on le gagner? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Alright les amis, voici le match décisif, donc le match qui va déterminer si on se qualifie pour la division 7 ou bien s'il va falloir attendre pour un peu plus tard. Personnellement, je veux gagner aujourd'hui, hein, question d'en finir et donc qu'on se qualifie pour la division 7. Mais donc, voilà, bon, vas-y, let's go. Oh, et voilà, but assuré, let's go. Let's go, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Let's go guys, on lâche pas. Bien, j'aime ça, j'aime ça. Wow. Et un nouveau but qui fait chavirer les supporters dans les tribunes. Maintenant c'est quasiment sûr, ce sont eux les futurs champions. Wow. 2-0, ils ont à présent une avance confortable. On fait quand même plusieurs passes. Mais tire. Here we go. Quelle frappe. Quelle frappe. Quelle frappe. Un ballon bien travaillé et que le gardien ne parvient pas à stopper. Boom. Let's go. 3-0, donc je crois que ce sera le dernier match de cet épisode. Essaye. Contré. Oh oui, 4-0. Ok là. C'est vrai que ça commence à faire lourd, très lourd au tableau d'affichage. Petite danse au KLM. Yes sir. Ça va très bien pour l'instant. What? David Silva. Au KLM. Donc on mène 4-0. Et c'est bon, un dernier match en principe, donc ça va bien. On va s'amuser le reste du temps. Allez guys, on lâche pas. Non, il est pas en jeu. Here we go. Encore un de plus. Ah, ça commence à faire beaucoup, hein. Here we go. L'autre équipe ne laisse pas passer des occasions. Chaque fois qu'elle pourra marquer, elle le fera. Grosse célébration.
Ben, clairement, ce match tourne à leur avantage. Et voilà. Oui. Oui. Aïe, 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 aïe. Oui. Oui. Oh, ça a été contré. Allez, corner à suivre. Dembélé qui a décidé de s'élancer tout seul. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Okael. Oh, repousse le ballon. Oh là là. Oh là là, c'était. Oh, c'était chaud ça. Here we go. Ah, il faut faire attention sur les corners, hein. C'est toujours dangereux potentiellement. Hey. Et ça a payé cette fois-ci. Corner magnifique. Wow. Pas le dernier match, j'ai joué en champion. J'ai gagné 1-1. J'ai fait match nul 1-1. Et puis là, c'est même chose, champion. Mais je gagne 6-0. En profondeur, oui, bien vu. Here we go. Tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Here we go. Il semble prendre un avantage quasi décisif. En champion, je gagne 7-0. Ousmane Dembélé. Oh oui. Here we go. Danger là, Kevin De Bruyne. Oh oui, c'est dedans. C'est exceptionnel hein, ce qu'il est en train de faire. C'est son troisième but. Oh, triplé pour De Bruyne. Nice. Il reste deux buts, puis on a le 10-0. En champion en plus. Allez, let's go. Oh, le ballon dangereux. Oh non. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne c'était proche ça. Bon, c'est fini. Yes, sir, guys. On est champion division 8, donc on passe en division 7. Voici De Bruyne, l'homme du match. Là, ça aurait pas été le même match. Il a quand même mis 3. Tranquille, donc on reçoit je pense 2400, donc au total 3000, et voilà, c'est ce que je pensais, 3110 crédits, assez payant, très payant, donc on monte, donc voilà, nous sommes champions, titre remporté. Oh, j'ai aussi un pack bronze, on va aller l'ouvrir à l'instant, donc voilà, donc je me retrouve maintenant à 5344 crédits, donc voilà, maintenant, quel prochain titre on va prendre, ça reste de l'huile, Ligue Ultime. Champion, pro-champion, oh, un en légende, ce sera pas facile. Mais champion, ça se fait. Et faut 18 points, donc au total 6 victoires. Pas le droit de match nul, pas le droit de défi, si vous en légende. C'est sûr que... sinon, l'autre plus payant, c'est lui. Oh shit, c'est facile. Amateur. Je vais m'emmerder ce match-là. Pro champion. Ça risque... c'est ça, ça risque d'être un de ces deux-là. On verra. On verra à l'épisode numéro 4. Donc, dans le fond, quand on passe de division 7 à division 6, pardon. Oh, donc j'ai deux packs à ouvrir. Bon, c'est des packs bronze et argent. On va skip ça. Rien, j'expecte rien de gros. Un pack des joueurs, on garde ça au club. Et puis ça, c'est un mélange donc des joueurs et des consommables. Bon, on va quick sell ce qui est pas utile. Entre autres ça. J'espère que j'ai des formes. Oh shit, j'ai plein de trucs qui servent à rien. Allez, tout ça. Oh, quick sell 3 crédits. Je pense que c'est bon. Yes, c'est bon. Et qui sont stade, c'est beau. Donc 69 crédits de plus au compte. Au KLM. Donc voilà. Donc ça c'est Dion 7. Voilà. Donc voilà, ça, ce sera pour le prochain épisode. On va décider quel qu'on prend. Et donc, l'équipe... Ah oui, en passant, l'équipe... ça, c'est pas ma vraie team. Hein. Ma vraie team... dans le fond, je mets lui ici. Donc, Loris à sa place. Et lui... Oh, il y a juste... je vais mettre un contrat. On va mettre lui. On va en racheter 3 de plus. Et lui, dans le fond, j'ai Eden Hazard en prêt. Donc, il me le reste encore pour 14 matchs. Donc, voilà. Grâce à lui, j'ai pas 80... J'ai 99... Ah, oh, c'est Carvajal. Quand il aura la fidélité, ça va monter à 100. Mais c'est ça.
Et ah oh oui, Marega aussi, vu qu'il est 81 noté, je mets Joao Mario à sa place. Non, William Carvalho, pardon. Le voilà, lui. Donc voilà, c'est ça la team. C'est ça ma vraie team, mais comme vous savez, vu que dans le fond, t'sais, je veux pas gaspiller mes joueurs en prêt, t'sais, surtout en saison, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, donc c'est ça. Donc voilà guys, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, donc 87 notés et sans, on peut dire sans collectif, donc voilà. Donc voilà guys, merci d'avoir regardé, 20 victoires, 1 nul, 17 défaites, j'espère que vous avez apprécié, encore une fois, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, bref, tout ce que vous pouvez pour m'encourager, ça sera très apprécié. Jetez un petit coup d'œil dans la description, et la carte que je vous ai tous intégrée, donc voilà guys, donc sur ce, everybody, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 qui sera donc la promotion de Division 7. Attends, Division 10, Division 9, ça c'était la première épisode. Division 9, Division 8, c'est la deuxième. Division 8 à Division 7, c'est la troisième. Donc c'est ça, de Division 7 à Division 6, ce sera la prochaine épisode. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 4. Allez, ciao tout le monde!